Bienvenue à bord, on va aimer aux commandes. J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne. Ça va être un devine mon pack avec Viken FUT. Yes Viken. Donc les gars, Viken c'est qui? Viken c'est un super pote à moi. Un pote avec qui on grandit ensemble sur YouTube. Donc voilà, une team de youtubeurs qu'on a créé ensemble. Yes. On est là ensemble depuis le début. Donc n'hésite pas à aller checker sa chaîne, il fait du super bon taf, vidéo de malade. N'hésite pas. Merci gros. Dans la description. Et aujourd'hui, devine mon pack sur la chaîne de VM, les amis. Bah, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, puisque je pense que voilà, c'est un concept assez original. J'en ai fait pas mal sur ma chaîne. Et là, bah voilà, VM, on a eu l'idée d'en faire un tous les deux. Donc en quoi ça consiste? VM, il va ouvrir 10 packs à 15 000 crédits et il aura les yeux bandés, donc il ne verra pas ses packs. Moi, je les vois puisqu'on est en partage sur Skype. Et je vais essayer de lui faire deviner les joueurs qu'il a. Donc on prendra le joueur avec la meilleure note de général. Et je dois lui donner la note de général, la nationalité, ainsi que son championnat. S'il réussit à trouver le joueur, il garde le pack. S'il ne trouve pas, vente rapide. Donc on va essayer de voir combien de joueurs, enfin combien de packs tu vas réussir à sauver sur les 10 que tu vas ouvrir. Donc c'est bon. Tu vas pouvoir te préparer avec ta petite écharpe noire là du futur. Ouais, c'est ma mère qui me l'a prêté. C'est sa daronne. Ok, donc les gars, vous me voyez sans lunettes, vous m'avez jamais vu sans lunettes, en exclusivité. Premier fail, donc je vais mettre le pack dans un premier temps. Vas-y, ouais, mais prépare le pack, enfin fais comme si t'allais l'ouvrir et comme ça tu es prêt. Ok, donc là normalement je suis sur 15 000 crédits. Ouais, là t'es sur 15 000, ouais. Ok, j'appuie sur croix. Ouais. Ok, j'appuie sur remontes, croix. Et c'est bon. Et là tu vas pouvoir l'ouvrir. Voilà. Et là c'est ouvert. Le pack va s'ouvrir. Ok, ok. Alors. Ok les gars, attention. Le pack s'ouvre, attention. On dirait un rappeur avec ton truc, ça me fait trop rire. Ça commence avec que du nom rare, c'est pas terrible. T'es sérieux? Ouais, alors ton meilleur joueur, ça va être un 82 de note de général. Ça va? Il est argentin et il joue en D1 portugaise. Dia. Ouais, non, je sais pas. Au pire, si jamais t'as aucune idée, tu peux abandonner directement si tu sais que tu ne trouveras pas. Mais... Non, j'abandonne pas Laurence Boccolini. Vous pouvez vous barrer avec l'argent, mais non, en fait, il n'y a pas d'argent. Donc 82, argentin. Ouais, non, je sais pas du tout, mec, là, je donne ma langue au chat. Et c'était Nicolas Gaïtan, le joueur de Lisbonne. Ah ouais, ah ouais, ouais. Donc, on discard. Yes, vente rapide. Génial. Bon, ça va, tu perds pas grand-chose sur la valeur du pack. Allez. Non, ça va, ça va, ça va. Easy, t'as vu, j'ai pas mes lunettes. Là, ça fait trop chelou sans les lunettes, vraiment là, ça fait une autre personne. Eh, exclusivité, mon gars, t'as vu, j'ai mis 3 ans au moins. Ok, le pack vient de se lancer normalement. Ouais, le pack va s'ouvrir devant mes yeux ébahis. Alors attention, est-ce que ça va taper du tot? Est-ce qu'il y aura une belle carte? Allez ouais. Okay, bah, je vais prendre. Allez, je vais être sympa. En plus, ah non, je vais être sympa. Alors, c'est un joueur. Attends, lequel je fais? Bah normalement on fait une meilleure note de général même s'il y a une carte rare. Il a 81 de note de général, il est français et il joue en Ligue 1. Ok, alors, Vaim, t'as pas le droit de te chier là, t'as pas le droit de te chier. En plus c'est un club qui a un rapport avec toi donc... Ok, donc c'est Marseille en plus. Ah, pas forcément géographiquement ou... C'est juste en aide parce que 81 français en Ligue 1, il y en a quand même pas mal. Non les gars, ne m'haïssez pas, ne m'haïssez pas. Je sais pas, non. Pas Gourcuff. Non, Gourcuff a joué dans ce club. Oui, je sais que c'est ce club. Oh là 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 là. C'est qui ça, 81? Carasso. Eh bien joué. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Cédric Carasso, je m'étais dit, bon, j'ai pas voulu dire Bordeaux ou quoi, comme ça c'était... T'as quand même bien galéré à trouver, mais au final, t'as réussi à l'avoir. En plus, passe. Avec Kazri, deuxième joueur de Bordeaux dans le pack en sortie. Donc, tu peux garder ce pack, mon ami. Bien joué à toi. Ok, nickel. Enfin, je peux garder ce pack en même temps, il n'y a pas grand chose. Ouais, il n'y a pas grand chose à garder, mais c'est toujours pour l'honneur. C'est toujours bien de commencer. Ouais, pour l'honneur. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que les gars, des fois, quand on dit des 80-81, que c'est une nationalité du même championnat, c'est horrible. Il y a 10 000 joueurs. Mais quand même, fallait trouver le Cédric Carasso. Bon, donc, bien joué à toi. Ah non, mais attends, j'ai des crédits, je vais pas les discard, je suis con, moi. Allez. Discard. Pack numéro 3 les amis. Allez, ce serait bien qu'il y ait du lourd. Oh, c'est un bon club, mais le joueur est pas exceptionnel. Donc c'est un joueur qui est mexicain. Il est 81 de note de général et il joue en Liga BBVA. Ah putain, je vois qui c'est. Je t'écoute.
Est-ce qu'on peut avoir le club, le... Non, non, pas le club, monsieur. Ce serait trop facile, sinon. En plus, des Mexicains, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais 81, il n'y en a qu'un seul. I don't know, on sabe. Tu donnes ta langue au chat ? Ouais, langue au chat, mec. Au gâteau. Bon, c'était Chicharito Hernandez. Oh là 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 là, honte à moi. Bon, c'était pas un joueur hyper connu non plus, mais voilà. Les Mexicains, il n'y en a pas non plus masse. Ok, donc, bon, on discarde ça, les gars. Vente rapide. Dur. De toute façon, une fois les décrédits, j'avais pas 150 000 piles, donc bon. Le pack allez, numéro, tots, le gars, pack numéro la 4. Casette. Allez, là, ça serait énorme, un gros tot. Allez. La cinématique. Oh, ouais. Alors, il y en a deux qui ont de la même note. Bon, allez, je vais prendre celui-là, normalement, tu devrais trouver. Il est 81 de note de général. Il est espagnol et il joue en Bundesliga, championnat allemand. 81 de note générale. Espagnol et il joue en championnat allemand. T'as Alcantara ? Yes, Thiago Alcantara, bien joué, le joueur du Bayern. Le mec est chaud. Ouais, Llorente, ouais, j'aurais pas Llorente aussi. Llorente aussi, je pense que. C'est bon ça. Espagnol, il y a Morata, mais je crois qu'il doit être 81. Donc... Bon, après, c'est pas des très bons joueurs, mais bon, c'est quand même ça. Déjà. L'essentiel, c'est trouver, parce que voilà, ça fait un petit défi, il y a des packs qui sont en jeu, voilà, c'est savoir combien. Le pouce bleu, les gars. Combien on va pouvoir en avoir ? Pour le moment, ça va, t'es à 50%, c'est pas trop mal. Allez, le pack qui va s'ouvrir. Le pack à 15 000 crédits. Ça bug un petit peu. Qu'est-ce que ça va donner ? Alors. Ok. Donc, c'est un joueur. Il est 79 de général. Okay. Il joue en Barclays. Et attends, avant que je discarde, il n'y a pas de truc. Je regarde à droite, mais je pense que non, parce que c'est le joueur qui s'est affiché, donc tu veux pas. On sait jamais, tu sais, EA, bon. Avec EA, il faut se méfier. Non, c'est bon. C'est lui le meilleur. Et okay. C'est un joueur qui est 79 en première ligue et qui est d'Irlande du Nord. Keane ? Non, c'est Johnny Evans, le joueur de Manchester United. C'est bien Irlande du Nord, il me semble. Irlande du Nord, ouais, c'est bien ça. Attention. C'est bien ça, mon gars. C'est bien ça. Pas si con que ça. Apprends, on aurait dû la sortir avant le bac. Révise l'histoire géo avec FIFA. Mais tellement. Des gros escrocs. Ok, bon, c'est que de la merde, je peux te dire. Ah ouais, même ça, je peux pas regarder. Putain, quelle merde. Bah, discard direct. Eh, c'est casse-couille ce devine mon pack avec des lunettes là. Pack numéro 6. On a fait la mission là. Sérieux ? Allez, y est là. Allez, donne-moi quelque chose là. Ok. Ok. Enfin un joueur rare, bon c'est pas exceptionnel. Enfin un joueur rare, tu sais, ça décrit la situation. Il est 82 de note de général, il joue en Bundesliga. Et j'ai juste confirmé sa nationalité, je crois qu'il est slovaque normalement, mais j'ai un doute. Non, il est serbe, autant pour moi. 82, serbe en Bundesliga. Attends. Serbe. Ah, je vois sa tronche en plus là qui s'affiche là sur ma tête. Ah, bah, est-ce qu'il est beau gosse? Non. Le mec est dans le mal. Ah ouais, là je suis dans l'incompréhension totale là. Bon allez, je suis gentil, il est défenseur central. Normalement on doit pas dire. Ah, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui... C'est Ah, t'arrives toujours pas à trouver. Y a pas, c'est pas... Ça commence pas par K. Je sais pas. Le type il essaie de gratter des choses. Je suis sûr je pourrais te dire son club, ça te foutrait encore plus le doute. Je vais dire juste pour te troller, il joue au Borussia Dortmund. Subotic. Ah, bien joué. Ah. Bon, après, j'étais pas du tout sur lui en vrai. Tu pensais à qui? Putain, je sais même pas comment il s'appelle là. Ça commence par K. Non, je sais pas. On a pas du tout. Je me suis peut-être inventé le joueur carrément. Ouais, aussi. Bon. J'ai eu pitié de toi, je t'ai donné des indices. Non, voilà, c'est vrai que des fois c'est vraiment chaud avec des certaines nationalités, on a pas trop en tête. Attention, oui. Ouais, pack numéro 7 qui s'ouvre. Allez, s'il vous plaît, sauvez un peu. Je donne mon pack, donnez-nous du lourd là. Allez, je vais voir. J'arrive, maman, j'arrive. Attention, quel pack. Ah, je pensais que ta mère allait ramener de la chance, mais au final. Non, non. Pas vraiment. Bon, il y a des joueurs rares, mais va tout à droite. Il est tout à droite normalement. 82 de note de général. Il est espagnol et il joue en Serie A. Je sais plus là. C'était Borja Valero, le joueur de la Fiorentina. Ah oh ouais, bah là tu pouvais te gratter, mon gars. Là, merde, j'ai gardé des trucs. Ouais, là, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, y avait rien dedans. Non, tu tiendrais pas rigueur. C'est pas comme si genre, tu avais un Messi ou quoi et tu fais genre tu le gardes en Je garde Messi. Oh, j'ai pas fait exprès, je l'ai gardé. Pack number 8. Allez, s'il vous plaît. Allez. Ok, pour l'instant, j'ai que de la merde en fait, on est d'accord.
Ok. Oh, il y a 3 joueurs rares, tous 79. Alors, lequel je tiens à deviner ? Il est 79 de note de général. Il joue en Serie A, championnat italien. Et il est uruguayen. Je vais dire de la grosse merde, non plus, je sens. Serie A. Non, pas Caballero. Non, je dis de la merde. Caballero, il est argentin et il joue aussi. Ouais, je sais, mais c'est la perdition, là. Tu vois, c'est dans le noir. J'ai plus de sens qui sont activés, non. Tu vois. Mais t'inquiète, pour en avoir fait à chaque fois, c'est comme ça. On te dit le truc et tu sais plus du tout qu'est-ce qu'il y a comme genre. Alors quand tu vas découvrir, je pense que t'as forcément déjà joué avec. Non, je sais pas. Bon, c'était Martin Caceres, le joueur de la Juve. Ah ouais. Et sinon, c'était Arbeloa, mais bon, espagnol en PVVA, ça aurait été la mort. Et Alexandro, il y a Danilo qui est... et Elton qui sont 679 en Liga portugaise. Donc, L'avant-dernier pack sur ce deuxième non pack, ça serait sympa. Qui est, donne un petit truc sympa pour terminer, ok. Ouais, sympa. Va tout à droite. Ah, ta voix, il a de rien donné. c'est à peu près ça. Va tout à droite, vite fait, voir, mais je pense que ça va être ce jour-là. En plus, ça va être la galère pour le trouver. Ok, donc c'est un joueur, il est 80 de note de général. Il joue en Barclays Premier League. Et il est, tout comme son championnat, anglais. 80 anglais en Premier League. Lampard. Oh, bien vu. Bien joué, tu t'en sors bien. Il est tout au début, bien joué poteau. En vrai, je fais trop le malin, mais bon. c'est un peu du bol, hein. Ouais, les autres en 80, oui. Oui, il y en a en plus. Mais bon, bien joué. Et donc, le dernier pack. Ouais, et voilà, le dernier pack du Devine mon pack, le 10e à 15 000 crédits, donc ça va être... J'en ai trouvé à peu près la moitié. Ouais, je crois que tu dois être à 4 sur 9, si mes comptes sont bons, je crois. Ok, donc on fait le 5e, donc, les gars. Si tu fais le 5e, ça ferait 50%, mais je crois que ça doit être ça. Le dernier pack, allez, se payer, donner un petit peu. Oh oui. Mais non. Oh, mec. Il fallait que ça finisse bien et IA nous a écouté. Va tout à droite, ça serait épique s'il y a un truc comme ça. Va tout à droite. Chance, tu vas. Non, mais t'es sérieux ou pas? Tu vas trouver direct, frère, et tu vas être content. Alors, c'est un joueur, il est 86 de note de général. Bon, pas, tu me diras, exceptionnel. Il est camerounais. Ah. Et je crois qu'il joue en Ligue 1. Nkoulou. Voilà, yes. Et voilà, ça finit. Tots, les gars, ça c'est bon. C'est ça qui est bon, voilà, la persévérance, les amis, vous voyez sur. Yes, le 10e, on l'a eu. Donc voilà, ça te fait un 5 sur 10. Tu as la moyenne, tu as ton bac. Bien joué, Vaem. Très bien. Ouais, bien joué. Et en plus, tu termines. C'est pas très cher, mais ça va, on a eu Marseille, les gars, bah, ça c'est bon. Un joueur de ton équipe, et en plus, avec des belles stats, en plus, qui plus est, 87 ouais, en vitesse. Il a des super bonnes stats, celui-là, je vais le garder. Ouais, 90 en défense, 87 en physique, c'est assez ouf. Bah, franchement, bien. Là, quand j'ai vu, au début, je pensais que ça allait être un boost, parce que c'était que la couleur, tu vois pas de ouf. Et ouais. Au final, j'ai vu Todd, je me suis dit, yes, c'est bon, ça pour toi. Ah, tu m'as fait stresser en plus, mec. Ouais, non, mais c'est bien ça. Terminé. Voilà, les gars. Donc, voilà, les gars. Ouais. On terminera sur ça. Donc, vraiment, un super bon joueur. Je suis content, vraiment. Là. Merci, Viken, il m'a porté chance. Là, le 10e. Le 10e, on est là. Le meilleur pour la fin, Nkoulou. Bah, très bien. Bon, c'est pas le meilleur Todd, mais ça reste quand même une carte bleue, les amis. Et ça fait plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker, voilà, exploser tout et à commenter. Ouais, n'hésitez pas à liker, partager. Voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez qu'on en refasse. N'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Viken. Voilà. Elle sera en description. Si vous voulez qu'on refasse des devis de mon pack, surtout que là, bah, l'originalité, c'est qu'on est à la cam. Moi, sur ce que je fais, bah, il y a juste moi, ma caméra à moi ou à l'autre personne, on entend juste la voix. Mais je pense avec la caméra, ça permet d'avoir la réaction. Donc, comme tu disais, même, ça apporte un truc un peu plus vivant. Donc, vraiment, je trouve ça. Ouais, donc voilà, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous demander. Ce sera avec grand plaisir. Yes, pas de souci. Et donc, nous, on vous dit donc à très bientôt, les gars. Salut. Portez-vous bien. Peace!